vous invite à explorer l'univers de Rubens. Rubens, c'est un peintre baroque qui va explorer la couleur dans son atelier. L'atelier de Rubens comptait plus de 300 artistes et le travail de la palette était fondamental. Dans cette scène mythologique du XVIIe siècle, on va utiliser la couleur rouge dans toute son onctuosité. Pour cette étape, j'ai choisi dans la collection Le Franc-Bourgeois le rouge cadmium moyen, le rouge grenat, le lac de Garance rose et le rouge rubis. Une fois les masses principales placées, je vais utiliser le médium pour glacis flamand Le Franc-Bourgeois pour amener de la luminescence. Entre chaque étape, il ne faut pas oublier de brosser sa surface peinte. Cette opération a pour fonction d'unifier la couche picturale et surtout d'éviter les embûches. Ce que j'aime particulièrement avec ce médium, c'est sa couleur ambrée, presque miel, qui donne une patine au tableau. Ce qui m'inspire dans l'exercice de la copie, c'est explorer le vocabulaire des peintres. Ici, la palette chromatique de Rubens, et m'abandonner au plaisir de peindre.